Alors bonjour à tous, me revoilà pour une autre vidéo. Donc cette fois-ci, je vais vous montrer comment on peut faire une tablette de chocolat. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur un tuto comme ça, mais j'ai trouvé une solution pour que ce soit plus joli. Donc voilà, alors il vous faut de la fimo couleur chocolat, un cutter, quelque chose qui vous permet d'aplatir. Donc moi j'ai pris un tube de tuyau en fait. Donc c'est très pratique, ça évite d'acheter le rouleau qu'ils vendent à la marque Fimo là, qui coûte je sais pas combien. Donc voilà. Et ma fameuse tapette à mouche que je vous ai déjà présentée dans une vidéo. Donc vous prenez votre pâte, vous la malaxez pour qu'elle soit toute molle. Vous l'aplatissez un peu mais pas énormément pour qu'elle ait quand même une certaine épaisseur. Donc voilà, encore là vous pouvez la faire un peu plus grosse hein. Donc vous prenez votre tapette, il n'y a pas vraiment de sens normalement, vous appuyez et là il faut arriver à la décoller sans la casser. Donc ça c'est pas évident parce que j'y arrive pratiquement jamais. Donc il faut que je trouve un moyen. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça. Donc c'est tout petit parce que je ne l'ai pas trop aplati. Donc voilà. Après il vous suffit. Donc là je vais faire un petit carré de 2 en fait. Donc il vous suffit de couper là. Donc plutôt que ça laisse une petite marge en fait à côté des carreaux. Alors là vous voyez, j'ai coupé comme une je sais pas quoi. Donc du coup voilà. Alors peut-être un peu trop épais, mais voilà votre petit carré de chocolat. Je sais pas si vous verrez bien. Donc après, bien entendu, vous faites pareil, mais avec des grandes bandes, hein. C'est la même chose.